ça fait un petit moment maintenant qu'on est ensemble avec Teresa, ce qui m'amène à passer beaucoup plus de temps au Portugal, notamment à Nazaré, dans sa ville d'origine. Personnellement, j'adore cet endroit. Petit village typique du Portugal, avec d'un côté ses ruelles colorées qui mènent à la plage du centre, et de l'autre côté du phare, Praia do Norte. La plage connue pour les plus grosses vagues au monde, mais qui finalement, à taille humaine, est un terrain de jeu parfait pour le bodyboard. Après avoir bossé tout l'été en France, j'adore revenir ici. Passer du temps avec Teresa, voir mes potes de Nazaré avec qui j'ai des bonnes relations. Puis ça me permet également de suivre le nouveau projet de Teresa et d'Anna. Le Zula Surf Village. Premier surf camp de Nazaré, situé dans le centre historique de la ville. Un emplacement parfait pour séjourner quelques jours avec des potes ou venir déguster un açaï en famille. On est situé au milieu du Portugal, une zone qui ne manque pas de bons spots de surf. D'un coup de voiture et dans la même journée, on peut facilement surfer différents types de vagues. D'un reef à Ericeira le matin, en passant par péniche au retour, et finir la journée à Nazaré avec des rampes hallucinantes. Le Portugal, c'est un peu ça. Un pays face à la mer où il fait bon vivre. Les gens sont adorables et les vagues parfaites pour surfer. Oh,
Pour nous, en tant qu'Européens, c'est une chance énorme d'avoir différentes étapes du World Tour ici au Portugal. Une opportunité parfaite pour les jeunes et pour tout compétiteur de venir participer au championnat du monde. Personnellement, c'est un plaisir d'avoir mes potes, ma famille qui se déplacent jusqu'ici pour mon étape préférée de l'année, le Nazaré Pro. Sitting down talking about crosstown kids. I can see you sitting down talking about crosstown kids. What even kids at all? Living in them crosstown kids. Hallelujah. Spitting image living in them crosstown kids. You got nothing you can call your own. Nous y voilà, arrivés aux îles Canaries avec Teresa pour la dernière étape du World Tour. Voyager à deux rend tout cela plus agréable. Billets d'avion, réservation du logement ou encore de la voiture, toutes ces petites choses deviennent beaucoup plus faciles. I went in the 12 bookstores looking for Ulysses. Mother well led me to believe. Cette année, on partage le trip avec Pierre et Brian. On essaie toujours de trouver les meilleures vagues et surtout le meilleur timing pour pouvoir s'entraîner. Ce qui est parfois mission impossible. Des spots qui marchent qu'à certaines marées et beaucoup de gens qui sont présents pour la compétition. Les spots sont vite saturés, mais on parvient quand même à avoir quelques bons hold-up. Thank you.
Fronton, c'est sûrement l'une des plus belles, mais aussi plus dangereuses vagues au monde. C'est la première fois qu'il y a une étape pour les filles ici. Je vous avoue qu'au début, ça fait un peu peur de voir Teresa rentrer dans l'eau, mais finalement, je suis hyper content de l'avoir scoré des bonnes vagues. Vraiment génial de partager la même passion, s'amuser, voyager et vivre toutes ces expériences uniques ensemble.